évidemment, cette entame de match ne doit pas vous satisfaire, ces trois buts encaissés coup sur coup. Comment voulez-vous que j'explique l'inexplicable ? Pour moi, c'est une première. C'était un cauchemar, quoi. Un cauchemar. Et après, quand on perd des matchs, on va dire, ouais, il faut changer le système. Ah oui, c'est vrai que c'est un problème de système, mais par contre, c'est vrai que c'est le système qui ne marche pas, quoi. D'accord. Non, non, c'est inexplicable. Voilà, comment on prend trois buts sur une occasion, quoi. Voilà. Une occasion, parce que les deux, c'est une perte de balle, et les deux autres, c'est pas des occasions. Donc, voilà. Sur un match où je pense qu'on est largement à la place de ramener au moins un point, largement. Mais voilà, 3-0, démarrer un match 3-0 quand le projet c'est d'être solide et je le dis, je le répète, on prend trop de buts dans cette division. Il faut savoir être pragmatique, donc c'est pas possible. Voilà. Après, heureusement qu'on a une belle réaction, mais la deuxième mi-temps on était un peu émoussé, on a des occasions malgré tout, mais ouais, on peut pas démarrer les matchs comme ça, c'est impossible. Est-ce que vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même, enfin, dites-vous, à l'ensemble de l'équipe sur cette nouvelle défaite À qui on va vouloir là aujourd'hui? C'est-à-dire, oui, on est fautif à 100%. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Hein. Depuis que j'entraîne, un tel scénario, je n'ai jamais vécu ça, quoi. D'accord. Donc, allez, vous avez un gros pressing de l'adversaire, vous êtes submergé. Non, je sais pas, on n'y était pas, quoi. On n'a pas démarré le match à 19h. Je pense qu'on était encore sur le match de Bordeaux. On n'a pas démarré le match à 19h. Il n'y a pas d'autre explication. Jimmy, après le match à Bordeaux, a dit qu'on était resté au vestiaire. C'était celui encaissé dans les 5 premières minutes. Ça veut dire que l'équipe n'a pas tenu compte de cet enseignement. Oui, mais alors il y a un moment, on démarrait bien les matchs. On était parmi les équipes qui marquaient le plus de buts dans le premier quart d'heure. Mais on ne tenait pas les deuxièmes mi-temps. Après, c'est bon, voilà. Donc, à un moment donné, on peut pas toujours. Là, si vous arrivez à analyser ce qui s'est passé, ben, vous êtes plus fort que moi, honnêtement. Parce que analyser l'inexplicable, c'est pas possible. On peut dire ce qu'on veut. Voilà. Donc, on sait s'aborder tout seul. Et voilà, on a une bonne réaction, on n'a pas sombré. Ça veut dire que, avec, malgré tout, on a des ressources, mais on ne peut pas courir tout le temps après le score. C'est trop. Voilà, c'est trop. Donc, aujourd'hui, on manque de fiabilité. Voilà, c'est le terme. On n'est pas fiable dans cette division. On est tantôt séduisant, tantôt on fait des erreurs. Donc, voilà, on n'est pas fiable pour la division. Pour l'instant, on ne l'est pas. C'est tout. Tant qu'on ne sera pas fiable, on sera irrégulier. Voilà. On marque des buts, on a énormément d'occasions, mais je veux dire, encore une fois, le plan de jeu et le message, c'était vraiment d'être solide sur cette première mi-temps. Voilà, une équipe qui est plutôt à l'aise en contre, d'ailleurs on l'a vu, elle a eu du mal ensuite à faire le jeu, plutôt à l'aise en contre, mais je veux dire, voilà, vous donnez le bâton pour vous faire battre, donc après c'est compliqué. Hein. Il est trop tôt pour avoir des explications, pour que chaque joueur puisse donner son explication. Mais il n'y aura pas d'explication, qu'est-ce que vous voulez que c'est. Je veux dire, si tu as déjà vu ça. Bon, voilà, donc à un moment donné, quoi, on va faire un tête-à-tête de la psychologie avec les joueurs, pourquoi? C'est inexplicable, je ne sais pas. Quand Jimmy, après le troisième, rassemble tout le monde rapidement, il est dans son rôle de capitaine, ouais. parce que tout le monde est assommé, quoi. Ben, tout le monde, parce que c'est, encore une fois, c'est incompréhensible. Une telle entame, c'est incompréhensible. On sort d'un match, alors peut-être qu'on a laissé tellement d'énergie psychologique dans le match de Bordeaux, mais je ne veux pas chercher d'excuses ce soir. Je ne veux surtout pas chercher d'excuses. On est professionnel, on doit être en capacité. Voilà, ça peut arriver de prendre un but sur l'entame, ça peut arriver. Il y a des cycles. Des fois, vous êtes hyper solide, et puis des fois, vous, c'est vos entames qui ne sont pas bonnes. C'est cyclique. Mais bon, là, un, deux, bon, le troisième, voilà, le deuxième, c'est une grosse erreur, le troisième. Ils ont tiré trois fois au but, peut-être au but. Donc, voilà. Pourtant, il n'y a qu'un but d'écart à la mi-temps. Donc, oui, parce qu'on a réussi à remonter. Et encore, avant qu'on marque le premier but, on a deux grosses occasions. Je veux dire, il y avait largement la place à la mi-temps. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, psychologiquement, il faut comprendre que quand vous courez toujours après le score, c'est dur, quoi.
Vous ne pensez pas que vous avez inversé la dynamique presque? Bah si, si. Et à la mi-temps, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, on a réussi à inverser la dynamique. Et on s'est dit, voilà, maintenant, il reste 45 minutes pour que ce cauchemar se transforme en rêve. Et finalement, on sortira de ce mauvais moment, mais un moment peut-être inoubliable, si on inverse la tendance. Mais après, il y a une équipe aussi qui elle, s'est reprise un peu en deuxième. Mais on a les occasions. On a les occasions. Il y a un bon gardien en face. On aurait pu revenir à 3-3. Mais bon, avouez que quand même, démarrer les matchs comme ça, c'est tout juste pas possible. Pas possible. Est-ce que malgré tout, il y a quand même une positive partie? Vous avez parlé de la pas réaction. Ce soir, je ne trouve pas. Même la capacité à réagir. Non, parce qu'on a perdu. Voilà, donc pour moi, il faut arrêter de trouver du positif après les défaites. Parce qu'à un moment donné, voilà, on a l'impression que tout va bien. Non. Quand on perd, c'est qu'on n'a pas fait le taf. Voilà. Donc, alors lundi, on méritait autre chose. Voilà. Ce soir, on a une belle réaction, mais on était en réaction. Voilà. Et moi, je veux mon équipe, elle soit en action. C'est bon ? Allez, merci. Merci. Bonsoir. Vincent, Olivier Frappoli disait qu'il avait du mal à expliquer l'inexplicable. Est-ce que toi, ce match-là, tu arrives à l'expliquer vu les différentes physionomies? Oui. On est bien rentrés, ils n'étaient pas là. On est encore une fois bien rentrés dans le match parce que ces derniers temps, on rentre bien, même dans les mi-temps, finalement. Et puis à 3-0, c'est l'inverse qui se passe. Eux, ils sortent et nous, on ne fait plus rien. Un duel gagné,
plus de qualité technique, de la lenteur, on n'avance plus. Et puis une occasion, deux occasions, ou deux situations, une ou deux situations. En fait, on perd le fil. Et c'est une bonne leçon, hein, je pense, parce qu'ils ont aussi remarqué logiquement. Et c'est une bonne leçon, parce qu'on arrive à gagner ce match. Mais en faisant cette fin de première mi-temps, et en deuxième, alors que c'est un contexte très difficile, hein, quand tu mènes 3-0 au bout de 10 minutes, ils reviennent à 3-2, ça pousse. Brice nous maintient dans le match encore une fois, bravo à lui. Et on a su reprendre un peu le fil quand même. Et retenir le ballon, reposer des problèmes à cette équipe. Mais on doit s'en rappeler. Comment tu l'expliques justement après une entame qui pouvait difficilement être plus parfaite avec ces 3 buts ? On est toujours sanctionné quand à un moment. Finalement, est-ce que c'est un manque d'humilité ? Je ne sais pas, mais on se relâche en tout cas. C'est un gros relâchement. Et dans le championnat, tu ne peux pas te relâcher. C'est une équipe qui pousse beaucoup, qui a toujours beaucoup d'occasions. Tous les matchs, ils ont gagné 3 fois à l'extérieur. Et donc, moi je n'ai pas de surprise, mais finalement, c'est le relâchement. Mais on est sanctionné, on est obligé d'être toujours au taquet. Voilà. Si on n'est pas à fond, on est sanctionné. Et je suis content parce qu'on a gagné, on a su faire une deuxième mi-temps quand même. Dans un contexte difficile de revenir dans un match comme ça à la mi-temps. Voilà, des bonnes entrées encore aussi, je suis content. Avec des pépins aussi, hein, puisqu'on a eu deux blessures. Aujourd'hui, Gaspard et Bamba. Ce n'est pas rien. Donc, ouais, le groupe a encore. J'ai encore eu des bonnes rentrées. Et quand on a des bonnes rentrées, on a souvent des bons résultats. C'est quoi le discours à la mi-temps? Parce qu'on a l'impression que la dynamique, avec leur deuxième but juste avant, est totalement inversée. Quoi. Ah oui, c'est clair. Mais en même temps, ils auraient dû arriver avant le deuxième but déjà. Certes. Mais à la mi-temps, comment tu... Alors, au départ, sincèrement, à 3-0, même s'il y avait du relâchement, mais à 3-1, je voulais m'énerver déjà. Voilà. Mais en fait, à 3-2, je ne me suis pas énervé. Parce que ce n'était pas le moment, parce qu'il fallait surtout essayer de redonner confiance et de leur donner une sorte de dynamique et d'allant. Alors, tout n'a pas été parfait, hein, mais c'était mieux. Et donc, le discours à la mi-temps, c'était repartir comme en début de première mi-temps. Non pas pour les buts, mais en tout cas dans le positionnement, dans la volonté d'aller chercher les adversaires et de tenir le ballon, mais pour avancer, pour faire mal. Voilà, c'était pas de... Parce qu'on ne pouvait pas passer que 45 minutes à attendre devant le but, acculé comme ça, avec cette équipe-là qui centre énormément, qui met beaucoup de monde dans la surface de réparation. C'est un match vraiment bizarre, parce qu'à la fin, il n'y a même pas de scène de joie. Moi, j'en ai pas eu, ça fait longtemps que je n'ai pas eu aussi peu de joie, finalement, pour une victoire, alors que pour moi, c'était un match extrêmement important, et qu'on l'a passé, finalement, avec une belle victoire, avec des buts marqués, quand même. Il faut quand même le souligner aussi, hein, parce que le début de l'entame, c'est quand même assez rare, et c'est vrai que c'était assez ambivalent au niveau des sentiments, même à la fin. Ce qui compte aussi, au-delà des sentiments, c'est comptablement, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 6 points d'avance sur Laval, qui est le premier relégable. Voilà, c'est une victoire qui donne de l'air. Quand tu gagnes des matchs, tu prends des points, généralement, tu n'as pas trop besoin de regarder les autres. Et moi, je ne vais jamais regarder les autres. Voilà. Si tu regardes les autres, c'est que tu n'as pas pris de points. Et nous, on va avancer tranquillement. Mais c'est un match important pour valider les bonnes choses qu'on fait. En tout cas, c'est différent. On n'arrive pas à lier à la fois l'efficacité offensive et l'efficacité défensive. Donc on a encore beaucoup de progrès à faire. Et cette difficulté aujourd'hui, j'espère qu'on va s'en rappeler. Et dès la semaine prochaine à Niort, parce qu'on aura un match encore difficile. Des nouvelles des blessés? J'en ai pas plus, c'est une blessure musculaire au quadriceps et Jordi Gaspard, une douleur au tendon d'Achille. Et il ne pouvait pas continuer. Heureusement qu'Alex était revenu aussi. Parce que Bamba, il sort visiblement en pleurant, donc je pense qu'il a senti que c'était... Oui, il a senti. C'était costaud. Oui. Et juste, dans ta carrière en tant que joueur et entraîneur, est-ce que tu as déjà connu un tel scénario en pro, de mener comme ça 3-0 après 10 minutes seulement? Oui, je pense que j'ai déjà mené une fois assez rapidement... 4-0 à la mi-temps. Mais là, après 10 minutes, quoi. Ah, 10 minutes, non, je pense pas. C'est assez unique. On se mettait déjà derrière, on défendait beaucoup. Donc, je pense que c'est la première fois et il y a eu la réussite sur le troisième, hein, notamment un petit peu. Mais j'ai vu des bonnes choses, de l'allant, la volonté d'avancer, du rythme dans les passes, c'était super. Sauf que ça s'est arrêté. Et quand ça s'arrête, un peu plus dur. Mais. Je crois que ce soir, il faut se souvenir du négatif et rester sur une note positive, ce qui est la victoire et les 3 buts.
Vous aviez déjà fait 30 bonnes minutes contre Caen à 11 contre 11. La première mi-temps contre le Paris FC avait été plutôt intéressante. Ça veut aussi dire qu'à domicile, vous avez une espèce de bonne formule qui est trouvée. Oui, après à l'extérieur, c'est vrai que finalement, si on regarde le classement, on est très mal classé. Mais 3 fois sur 5, on a ramené des points. Et les deux autres fois, bon, à Bastia, rien à dire. Mais à Amiens, pendant une bonne mi-temps, on était longtemps bien. Tant mieux si on est bien à domicile, si ça peut apporter un peu plus de monde au stade, on est content de l'ambiance, les supporters ont vu des buts, ils ont vu la victoire, donc ça, c'est toujours un point positif d'être performant à domicile. Mais j'ai envie de tout, aussi à l'extérieur. Tout bon ? Impeccable. Allez, top. Merci. Merci. Salut. Salut. On enchaînera rapidement.